Alors comme ça, Titi, j'allais pas réussir. Je disais, ça grince tellement. Je disais, alors comme ça, Titi, j'arriverai pas à ouvrir la porte toute seule. Comme ça. Mais on est propriétaire avec mon copain et du coup mes deux filles. Putain. Oh là, Si un jour je pensais que ça arriverait. Mais ça sent renfermé ici. Oh. Mais je vais vous présenter du coup, là je suis pas passée par la porte d'entrée principale, je suis passée par la porte, la deuxième porte. À quel moment de ma vie je pensais déjà que j'allais rentrer par une deuxième porte chez moi. Trop bizarre. Ils ont rentré de la lumière. Parce que j'ai un volet à la porte d'entrée. Ils sont les voisins comme dans les Sims là, vous savez, les voisins qui se ramènent avec des cakes aux fruits là. Enfin j'aime pas les cakes aux fruits mais bon, ils auraient pu passer quand même. Là, on a un sort de mini-jardin, futur jacuzzi, non je déconne. Peut-être l'année prochaine une piscine. Là, cette année, ça sert à rien, c'est déjà trop tard, mais une petite piscine ici, plus tard pour les filles, pour les jumelles aussi, ça sera bien. Là, voilà, on a une petite terrasse. Pareil, on va la refaire à la terrasse. Hein. Fou, ça en fait des choses. Et là, du coup, on risque de mettre, je pense, une table, des chaises, des transats, j'en sais rien, moi. Ce que les gens normaux, ils font, là. Et là, en fait, on a, bon, ça, c'est mon copain qui a déjà défoncé. On a un deuxième passage ici, donc ça pareil, ça nous appartient, ça fait partie du terrain. Là il y a un truc hyper flippant sous les escaliers. Je suis en train de me dire, c'est à nous le drap là ou pas? Et là en fait on a une petite cour à l'arrière, bah, je vais vous montrer à la fin, c'est pas le plus intéressant. La petite cour à l'arrière elle est vraiment pas ouf, ouf en soi, si on n'en aurait pas ça m'aurait même pas dérangé en fait, puisque derrière il y a un autre bâtiment. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Donc voilà, et avec ça. Je sais pas si on va refaire le toit ou pas, et je me demande si la sonnette elle marche. Ouais, enfin je crois qu'il manque un truc à l'intérieur, hein, ça risque pas de marcher. Ah, bon bah faudra aussi faire une sonnette, mais je pense que la sonnette faudra la faire dans l'entrée, hein, puisque. Ah bah merci. Merci beaucoup. Vous savez que c'est la deuxième fois que je reviens depuis qu'on l'a acheté. La première fois c'était justement pour l'acheter. Donc on arrive ici, donc c'est un grand, rez-de-chaussée qui est complètement ouvert, genre vraiment, donc il y a des petits combles, mais vous inquiétez pas, hein, moi je fais 1m50, donc je toucherai pas le plafond, sauf peut-être dans la cuisine qui est un peu plus bas. Mais bref, du coup ça fait bah, cuisine, salle à manger, salon. D'ailleurs, il fallait que je regarde les prises pour internet, le plus important, j'ai pris rendez-vous déjà. Ok, donc non, c'est des prises téléphoniques. Super, on est en 1980, bonjour. Mais il y a une petite colonne ici, je trouve que ça a son charme quand même. Donc elle est un petit peu atypique, cette maison, puisqu'apparemment avant c'était un ancien chenil de boulangerie, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, qui a été retapé en résidence. Donc ici, il y avait le truc que vous avez vu dehors qui est pété. Et du coup il est dehors parce que ça, regardez, c'est horrible, mais bon, personnellement je l'aurais peut-être laissé au moins le temps de pouvoir le refaire, parce qu'on peut pas tout refaire niveau budget non plus, tout d'un coup. Donc je sais pas si ça vous intéresse des petites vidéos sur les travaux qu'on va faire. Ouais, déjà là j'arrive, ça grince, ça me dégoûte. Ouais, parce que le sol aussi on va le refaire, parce que c'est un vieux, vous savez les vieux parquets vraiment pas ouf, quoique franchement celui-là niveau couleur j'aime bien. Mais bon, quand on marche dessus et tout, ça se voit que c'est cheap de ouf. Hein. Je pense que ça a été mis vraiment le moins cher, histoire de... Bah, de toute façon, ça se voit ici, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Enfin bref, là pareil, il y a pas mal de choses qu'on va refaire. Le four, il dégage, parce qu'apparemment, mon copain, il a dit qu'il était dégueulasse. On va checker ça en live. Ouais, effectivement, il est dégueulasse. En vrai, moi, j'aurais pu me nettoyer, on l'aurait gardé. Hein. Franchement, il est... Tu regardes cette vidéo, Titi, franchement, t'es chiant, hein. Oh. Bon, la plaque, forcément, on la garde... Passe un coup, elle est nickel avec une petite hotte. Voyez, regardez, moi je lève les mains, je pourrais même pas ouvrir la fenêtre ici. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, je fais 1m50. Mais ouais, non, jusque-là, c'est juste que là, je peux marcher tranquillement. Et là, en fait, il y a un... je me cogne la tête si j'avance. Donc, je pense qu'ici, tout va être fermé. Et on mettra sur le rangement. Et du coup, il nous restera ouais, pas grand-chose, en fait, comme pour bosser dessus. Mais on trouvera une solution. Et là, il y a un meuble. Donc, celui-là, pour le moment, on le garde. Mais ça se voit, il est un peu étroit, là. Tristan, il m'avait dit, oui, ça va, hein. Et regarde, ils sont où? Il n'y a pas de perpendiculaire, ici. Elle est où la perpendiculaire? Non mais ce meuble là on peut le décaler, pour le moment on garde parce qu'on a... Pff, voilà, vous savez très bien, on vient d'acheter, hein, on est pauvre. C'est fini, on n'a plus d'argent. Donc... Ok, c'était la porte en bas. Je me suis chiée dessus. En tout cas, le chien il va être content, ça c'est sûr. On a commencé à ramener des trucs, hein, vous allez voir en bas il y a quelques petites choses. Donc là je pense qu'on mettra le salon, ici salle à manger, on mettra la table je pense. De toute façon c'est même trop grand ici pour nous parce que franchement on a 3 meubles les gars. On a un canapé, une table télé et une armoire d'enfant et c'est tout. Bon on descend en bas, donc ici il y a le petit chemin qui descend vers le bas. Hop. Donc pareil, l'escalier, il va falloir le refaire. Ouais, et là on a une petite lumière, par contre, faut pas qu'il oublie qu'il y a une lumière ici parce qu'il y a les câbles qui passent par là. Ici, l'oublie, bah ça va être la catastrophe. Hein. Faudrait que je rappelle. Donc on descend en bas, pareil, il y a les escaliers. Enfin, en soi, c'est pas dégueulasse, mais bon, vous voyez bien là, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup là on est descendu en bas et on se retrouve par la deuxième entrée, je suis passée par là. Alors pourquoi il y a 2 entrées je sais pas, je pense que ça devait être avant quand il y avait le chenil. Je fermais la porte ici pour pas qu'elle grince. Mais oh. Oh. Mais ouais comme je disais c'était un ancien chenil de boulanger donc je suppose qu'il était relié justement au bâtiment qui était derrière. Donc je pense que les gens ils passaient par là, c'était plus rapide. Et peut-être que la porte en haut elle a été faite par la suite, je sais pas trop. En tout cas, on va faire comme si on était descendu les escaliers, voilà, donc je suis remis au début. À gauche, nous avons la première chambre, potentiellement mon bureau... Oh, ça résonne pas ici, c'est magnifique. En même temps, vu... Oh, oh, vous avez tout vu. Oh, c'est horrible, j'en ai la peine de voir l'état... Mais Tristan, tu sais pas empiler des cartons. Il a tout foutu n'importe comment. C'est normal qu'il n'y a plus place. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu verras, il y a une chambre qui est quasiment complète. En même temps, les cartons, ils sont pas empilés. Ouais, c'est le bordel. Mais je pense que du coup, ce sera ici mon bureau pour bosser plus tard sur YouTube et tout. Sur les vidéos de Quinzelle de Sueur. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Quinzelle de Sueur. Je fais de la pub, mais j'essaie de reprendre des vidéos enquête criminelle, thread horreur, etc. Je kiffe. J'ai ma meilleure pote qui m'a envoyé un prompteur pour mon anniversaire. Enfin, elle ne m'a pas envoyé, elle était chez moi. Qu'est-ce que je raconte? Oh, quelle horreur. Ici, du coup, à droite, la première porte, pas grand-chose d'intéressant. Les amis, c'est une sorte de buanderie. Il y a une lumière? Normalement, il y a une lumière. Il n'y a pas de lumière? Ok, on voit rien. Ok, on voit pas grand-chose, mais oh, je sais même pas où je mets les pieds. Oh, il y a une araignée. Non, je vois pas d'ampoule. Mais voilà, il y a la bonbonne d'eau. Ici, il y a un petit renforcement. Et en vrai, c'est pas mal grand le renforcement. Dommage qu'ils n'ont pas mis une genre d'arrivée d'eau ou quoi que ce soit. On aurait pu brancher la machine à laver ici en mode tranquille sous les escaliers. Bon, au pire, j'enlèverai Harry Potter. Hein. Oh, il y a une prise électrique par contre. Ça, j'avais pas vu. Et ici en bas, sous l'escalier, pareil, moi j'avais prévu déjà de faire un coin petit chat, donc un coin où il est tranquille, et j'avais prévu, entre ce que je prévois et ce qui va se faire, je sais pas, mais de mettre une chatière ici, vous savez, une chatière, on fait un trou, on met une chatière achetée sur Amazon, bim, et le chat il rentre ici, parce que la porte ici elle sera tout le temps fermée, et il aura son coin tranquille, où le chien il arrêtera de bouffer son pâté, hein, parce que Nex, si tu regardes cette vidéo, parce que Nex c'est mon chien, Nex si tu regardes cette vidéo, on le sait que des fois, tu passes dans la salle de bain pour aller manger le pâté de petit chat. On le sait tous. Allez, je ferme ici. Et la salle de bain. Alors la salle de bain, grand mystère. Ah, bah, je crois qu'il a coupé les joints. J'allais dire les joints. Le disjoncteur. Attendez. C'est où ça? Et c'est bon, je vous reprends du coup dans la salle de bain. Donc, énorme mystère. Il y a moyen de faire un studio, un F4 bis dans la salle de bain. Non mais c'est vrai qu'elle est immense. Elle est vraiment très grande, enfin, il y a de l'espace, on dirait des toilettes publiques limite. Limite, tu rajoutes des chiottes sur le côté, ça fait des toilettes publiques. Donc là, pareil, un énorme chantier qui nous attend. Donc encore en discussion, on va dire. On se met pas forcément d'accord avec Titi et on change d'avis très régulièrement, mais ça c'est sûr, ça pète. Ça dégage, pareil la douche on refait, puisque ça pareil hein, ça dégage, donc voilà, voilà ça... Hello, oh putain je suis tellement, ah c'est quoi, c'est un miroir qui déforme quoi, je vous jure de loin il déforme, attendez je sais pas si vous allez voir, regardez je suis déformée, c'est quoi ce, ils l'ont acheté où ce miroir, oh mon dieu qu'est-ce que je suis moche, oh. Oh non, je viens de voir un truc qui me dit... Oh. Allez, je vous montre, mais c'est... C'est quoi, me dites pas que c'est des taches de merde. S'il vous plaît, me dites pas que c'est des taches... Non, c'est pas possible, j'ai des taches de merde qui montent aussi haut. Le mec, son trou de balle, il était à 2 mètres du sol. Non, sans deck. Non, je pense que ça doit être... Je veux pas savoir, je veux pas savoir. Du coup, là... Je pense peut-être qu'on devrait fermer ici pour pas voir les tuyaux. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs à faire. C'est bon, hein, je vais faire un croquis dans les chips. Donc, de base, on voulait isoler les toilettes de la salle de bain. Comme ça, bah, forcément, comme vous le savez, on a des jumelles. Donc, forcément, par la suite, ce serait bien que les toilettes soient séparées. Comme ça, s'il y en a un qui prend une douche, un bain ou je sais pas quoi, que les toilettes restent accessibles. On sait pas quoi faire. Tristan, il avait émis l'idée de le foutre dans la buanderie. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas, c'est à voir. Si vous avez des idées, mettez-le dans les commentaires. Mais vous voyez comment que c'est grand. Déjà, on voulait rajouter une baignoire parce qu'avec 2 filles, c'est... Voilà. Il en faut. Enfin bref, je vous ai montré du coup ici les escaliers, la première chambre, la salle de bain, la buanderie. Ouais, je sais, ça va vite. Hein. Je n'ai pas envie que la vidéo prenne 40 minutes. Et du coup, ici, on a une deuxième chambre et une troisième chambre. Je vais vous montrer celle-là, donc celle-là ça va être potentiellement la chambre des filles parce que c'est la plus grande pièce. Alors elle est un peu étroite dans le sens où voilà, c'est pas un carré, c'est un hexagone le truc. Mais ici, bah, il y a encore une prise téléphonique, c'est la plus grande chambre qu'on ait dans la maison, donc ce sera celle des filles. Voilà. Donc je pensais mettre dans ici un lit, un deuxième lit. Ici ce sera tout l'espace de jeu je pense. Et peut-être ici les meubles pour mettre leurs affaires, je sais pas. On verra, on a le temps. De toute façon elles sont encore bébés, c'est des petits bébés hein. Et on va dans la dernière chambre, donc c'est la plus petite. Hop, on allume, c'est la plus petite chambre et vous voyez ça mène sur l'escalier qui est à l'extérieur sur le côté. Et en fait, là, Tristan, il a déjà dégagé le truc. Alors, en vrai, moi, j'aime bien le sol là. Limite, franchement, on pourrait le garder. De toute façon, on va le poncer, c'est sûr. On va le poncer, on va le vernir et on va mettre un isolant pour... bah, déjà, parce que vous voyez qu'il y a un écart entre le couloir et la chambre, donc on peut se le permettre. Mais en vrai, le seul problème, c'est que vous voyez, il est beau, mais vous voyez, il y a des écarts dans les planches. Au niveau isolation, c'est pas top. Faudrait mettre un isolant en dessous parce que j'ai l'impression qu'on est qu'à de la terre en bas, je sais pas, je m'y connais pas, je ne suis pas maçon. Et là vous voyez c'était ça en fait, c'est en fait ça le sol, oh là là. Ouais non ça faut changer, c'est pas possible. Mais en fait je suis en train de me dire on va mettre le lit king size ici, c'est fini. De toute façon on peut même pas le mettre comme ça, on est obligé de le mettre comme ça, parce que comme ça il passe pas, on passe plus après. On est obligé de le mettre au fond comme ça. Et le problème, c'est que, vous voyez, regardez, il y a le radiateur qui gêne. Donc, moi, je pense que le radiateur, ça dégage. Ou bien, ouais, le radiateur, ça dégage. Ou bien, écoutez, j'en sais rien. Je sais pas encore, faut qu'on voit. Faut qu'on voit, ou bien, à la limite, je sais pas si on pourrait mettre plutôt notre chambre dans la pièce là-haut. Et du coup, mettre mon bureau là-haut. Parce qu'ici, j'ai l'impression que pour le lit, il y a plus d'espace sur les côtés. Et le radiateur, il gênerait pas. À voir. À voir avec monsieur. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah oh, j'avais pas vu, il y a un petit truc là. Ouais, ça aussi ça dégage. Hein. Un truc de vioque là, c'est bon. Hein. Je sais que je suis daronne, mais quand même. Hein. Et du coup, ici, comme je vous ai dit, le couloir pour aller là-haut. Alors, j'ai déjà réfléchi pour plus tard, éventuellement, parce que comme vous le savez, moi j'aimerais bien avoir un 3e enfant encore. Et pour ça, du coup, bah, vous voyez, on n'aurait pas assez de chambres pour futur bébé s'il y en avait encore un. Mais à un moment donné, j'avais omis l'idée de peut-être fermer ici avec un lustre, enfin une verrière, pardon. Et du coup, ici, faire un petit espace bureau, quoi. Moi, j'ai juste besoin d'un bureau pour bosser, en fait. Et d'être un minimum isolé. Donc, fermer ici, en fait. Et moi, pouvoir bosser ici. Et puis en même temps, je pourrais ouvrir la porte quand il fait chaud, quand je bosse sur l'ordi et qu'il chauffe la pièce, bah je pourrais ouvrir ici. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Mais parce que voilà, moi je trouve que c'est quand même de l'espace perdu ici, hein, clairement. Voilà, le meuble là, je pense que pour le moment on le garde pour des rangements. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas de meuble, écoutez. Hein, on a eu la chance d'avoir un dressing dans l'autre maison, enfin dans l'autre appartement où on vit actuellement. Ici on n'a pas de dressing, donc il va falloir qu'on achète des meubles, ça c'est sûr. Bon, je vais éteindre les lumières. Et écoutez, hein, je vais vous montrer du coup l'extérieur. Ah oui, si, on a ça encore à la limite pour ranger, mais bon, là il n'y a même pas un tiers de mes affaires qui rentrent ici, quoi. Ouais, et ici il y a l'arrivée d'eau. Donc bon. Bah voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la maison, sauf l'extérieur à l'arrière, que je vais vous montrer. Comme ça, peut-être que vous allez avoir des idées de ce qu'on pourrait faire derrière. En tout cas, la chambre là, elle est grande, mon wesh. Elle est énorme, cette chambre. Elle est énorme. Oh là là. Fou. Attendez, parce qu'il y a mon copain qui m'avait dit qu'il y avait un truc internet en bas. Ouais, effectivement, il y a un truc un câble téléphone. Mais bon, ça pareil, hein, ça va changer, ça dégage. Ok. Mais ouais, franchement, le sol, je trouve joli. Enfin, un style comme ça, industriel, ça ferait genre... J'aime bien. Mais bon, on peut pas, c'est pas... Enfin, à moins qu'il y a des gens qui s'y connaissent dans les commentaires qui pourraient nous donner des conseils pour ça. Bon, on va sortir par le côté, du coup, et je vais vous montrer l'arrière. Donc on sort par là. Je vais fermer pour pas que ça crie. Donc là il y a l'escalier, je vous avais montré, le garage. Et là si vous avez une idée, allez-y. Voilà, il y a une sorte de abri. Moi je voulais faire un récolteur d'eau là. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y avait un chat ou un truc, parce que je sais pas, il y a des... Je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il y avait ici avant. Peut-être un truc avec la boulangerie, je sais pas trop. Voilà, le seul truc qui est gênant, c'est que du coup on est collé à la fenêtre des voisins. Et c'est juste ça qui est chiant en fait. Mais nous, ce qu'on pensait faire, c'est mettre des jardinières. Donc, mon copain, apparemment, il a déjà parlé avec le voisin. Des jardinières ici. Voilà, qui commence à partir du mur là. Qui va jusque... Hop. Bah, peut-être même jusqu'au bout, parce qu'en fait, la porte là, faut qu'on laisse l'accès. Mais du coup, si on met des jardinières, on peut. Voilà, et faire une ligne de jardinières ici. Histoire que, bah, déjà, je pense que moi, je serais la voisine, j'aurais bien aimé aussi. Ça m'aurait pas dérangé, parce qu'au moins, je verrais pas la tête des autres. Et enfin, surtout pour le chien aussi, parce que vous voyez, c'est hyper bas leur fenêtre, comparé aux nôtres, hein, d'ailleurs, on est plus haut, mais c'est hyper bas. Et vu qu'on a un chien, le chien il va leur dire coucou tous les jours. Hein. Mon chien il est hyper gentil, mais il est hyper grand, et je sais qu'il y a des gens qui ont peur des gros chiens. Et mon chien il serait capable de rentrer par la fenêtre des voisins pour leur dire bonjour, hein, vraiment. Donc là, vous voyez, c'est la fenêtre qui était dans la chambre où on est censé être moi et mon copain. Là, oui, forcément, on va refaire. Enfin, c'est. Ou repeindre au moins, ou faire quelque chose que... Voilà, et moi ce que j'avais pensé aussi, c'est rajouter aussi des jardinières ici, sur le côté, parce que déjà, au moins, on perdrait moins d'espace, et vu que je voulais quelques fruits, des légumes, des trucs comme ça, on verra bien. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai besoin de conseils, je vais regarder, je vais m'inscrire à des chaînes qui montrent de la botanique. Donc ici, pareil, il y a un espace, alors je sais pas ce qu'on va en faire non plus. Jacuzzi, très excitant si tu regardes cette vidéo, jacuzzi. Non mais sans déconner, franchement c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu la maison plus tôt. On aurait pu en profiter cet été pour mettre la piscine, et puis manger dehors, et puis même pour le chien, parce que voilà, il a jamais connu une maison avec jardin, hein. Notre chien il a toujours vécu avec nous dans l'appartement, mais là au moins il peut courir. Le problème c'est que j'ai pas vu de parc à chiens dans le coin, et ça c'est un petit peu gênant, mais bon tant pis. Faut aussi qu'on fasse un portage, je peux pas vous montrer, parce que là il y a ma voiture avec l'immatriculation, tout ça. Est-ce que ça se voit que je suis au bout de ma vie ou pas? En tout cas, dans la vidéo, j'ai caché un petit bonhomme mannequin. Et d'ailleurs, si vous voulez lui trouver un nom, un petit nom rigolo. Et en fait, j'essaierai de le mettre dans chacune de mes vidéos IRL et vous me direz en commentaire si vous l'avez remarqué et qu'est-ce qu'il faisait, parce que je le mettrai dans des trucs à... Enfin, il va se mettre parce que voilà, il est vivant bien évidemment, ce n'est pas moi qui le place dans mes vidéos. Vous me direz, en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres sur comment on va rénover, sur le déménagement même, parce que là franchement c'était juste une toute petite partie du déménagement, de comment on va meubler tout ça, sachant qu'on a quasiment aucun meuble. Alors n'hésitez pas à regarder les playlists de mes vidéos Brookhaven, même si vous les regardez pas parce que mes vidéos c'est de la merde, juste histoire de soutenir, ça fait plaisir. Je vous mettrai la playlist en bas, donc si vous voulez la laisser tourner sur votre ordinateur pour m'aider un petit peu, ce serait cool. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.